fois de plus, meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas vus depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse. Hein, la sœur Ruth et toute sa famille, meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse. Nous sommes tellement heureux d'être dans la présence de Dieu parce que sa présence nous fait du bien, sa présence nous encourage, sa présence nous restaure. Nous sommes dans une année de la réforme. Et nous sommes dans une saison de la réforme. Nous allons parler de la réforme pendant tout au long de cette année 2019. Nous allons parler de la réforme. Il faut que certaines choses changent. Il faut que certaines mentalités changent. Il faudrait que certaines compréhensions tombent pour que nous puissions faire les choses autrement. Et alors que nous parlons de la réforme, vous savez avec moi que la réforme n'a jamais été une chose facile. Aujourd'hui, nous assistons au mouvement des gilets jaunes parce que le président veut réformer la France. Et la réforme n'a jamais été une chose facile. Et par la grâce de Dieu, je vais me prêter ce matin à l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que c'est l'enseignement qui fait asseoir l'Église. C'est l'enseignement qui nous fait grandir dans notre marche avec le Seigneur. Et ce matin, je vais, par la grâce de Dieu, nous entretenir toujours sur ce sujet de la réforme. Pendant 3 mois, j'ai le privilège de vous enseigner, de jeter des bases, certains fondements de cette réforme. Ensuite, les hommes de Dieu viendront se succéder sur ce pupitre pour nous parler de la réforme en profondeur. Mais je veux ce matin encore que nous comprenions cette réforme. Je vous encourage à prendre note pour ceux qui le peuvent. Je vous invite à lire, c'est un texte que nous avons déjà lu ici, le premier message que nous avons entendu concernant la réforme, 2 Chroniques chapitre 29. Je voudrais, dans un premier temps, rappeler ici la définition de la réforme, pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a plusieurs définitions de la réforme, mais celle qui me semble juste et appropriée est la suivante. La réforme se définit de la manière suivante. C'est un changement qu'on apporte dans une institution afin d'en obtenir les meilleurs résultats. Je répète, c'est un changement qu'on apporte dans une institution pour permettre d'apporter un meilleur résultat. Ce qui veut dire que dans un match de football, si je dois dire simple, lorsque les joueurs jouent, ils jouent, et qu'ils ne gagnent pas, il peut arriver qu'ils changent de stratégie de jeu. Leur vision ne change pas. Leur vision, c'est de gagner. Mais la stratégie peut changer. Donc, c'est un changement qu'on apporte dans une institution, dans une société, et ce changement a pour le but d'apporter un meilleur résultat. Donc, si on fait quelque chose et qu'on n'obtient pas de résultat, il faut qu'on change de stratégie. Et John Maxwell dit ceci, que ne changez jamais votre vision, mais il peut arriver que la stratégie change. C'est-à-dire quoi? Notre vision, par exemple, c'est de posséder une salle. Cette vision ne peut jamais changer. Mais on peut changer de stratégie de recherche. Dans un match de football, il y a plusieurs stratégies de jeu pour ceux qui aiment le foot. On parle de 4-4-2. Voilà, 4-4-2. Voilà, composition. Quoi encore? 3-5-4. Voyez-vous? Donc, pendant un jeu, si ça ne marche pas, le sélectionneur, pendant la mi-temps, peut dire, écoutez, les gars, je pense que l'équipe adverse qui est en face de nous, notre stratégie n'est pas appropriée, il faudrait qu'on change de stratégie. Voilà la définition qui me semble être appropriée concernant la réforme. C'est donc un changement qu'on apporte dans une institution qui apporte un meilleur résultat. Et cette année, je veux un résultat dans ma vie. Je veux un résultat dans votre vie.
Je veux des résultats dans notre église. Je veux qu'il y ait des résultats palpables. Je veux qu'il y ait un changement radical de pensée, de compréhension. Je veux qu'il y ait des témoignages. Je veux qu'il y ait des nouvelles choses. Et pour parvenir à ces choses, il faut un changement. Alors ce matin, je veux parler des prédispositions de la réforme. J'avais introduit ce thème concernant la réforme. Ce matin, je parlerai des prédispositions de la réforme. Ce sont les éléments sans lesquels on ne parlera pas de réforme ici. Ce sont des choses dont nous avons absolument besoin pour parler de la réforme. Et c'est tellement important et capital pour moi de vous parler de ces choses ce matin parce que ce sont des éléments sans lesquels il n'y aurait pas réforme. Donc il faudrait absolument que chacun de nous comprenne ces éléments pour rentrer dans cette réforme. Donc je parlerai ainsi des prédispositions de la réforme. En d'autres termes, je parlerai des prérequis de la réforme. C'est-à-dire les éléments fondamentaux dont nous avons besoin pour parler de la réforme. Pour rentrer dans ce changement, il nous faut des prédispositions. La première chose dont nous avons besoin de parler, dont nous avons besoin pour aboutir à la réforme, je vais lire et il leur dit, écoutez-moi, Lévite, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, et ils lui ont tourné le dos. Verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Verset 9. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. Alors, nous avons parlé d'un grand réformateur qui s'appelle Ézéchias. C'est le fils du roi Akaz qui était juste avant l'arrivée d'Ézéchias. Et si vous lisez juste le chapitre avant, vous allez vous rendre compte que Akaz était roi, mais pendant son règne, il s'est détourné de Dieu. Il a profané le temple, il a pris beaucoup de mauvaises résolutions, jusqu'au point où la malédiction et la colère de Dieu s'est abattue sur le peuple. Ainsi, Dieu va susciter Ézéchias, sa postérité. Et Ézéchias arrive au trône avec une mentalité de la réforme. Et donc, la première des choses que Ézéchias fait, il part sur le fait d'un constat. On ne peut pas parler de la réforme sans une prise de conscience. Le premier élément fondamental que nous devons comprendre ici, mes chers amis, c'est un constat, c'est une prise de conscience. Pourquoi je dis que c'est une prise de conscience? Ézéchias s'est rendu compte que ses pères ont profané le temple. Ils ont péché. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Dieu d'Israël. Raison pour laquelle la colère de Dieu s'est abattue sur le peuple. En Matthieu chapitre 9, verset 2,
dit, ce sont ceux qui sont malades qui vont chez les médecins. Si quelqu'un n'est pas malade, il ne peut pas se déplacer pour aller voir un médecin. Quelqu'un de normal, qui se trouve en bonne santé, il ne peut jamais se déplacer pour aller voir un médecin. Pour aller chez un médecin, il faut prendre conscience de son état, reconnaître qu'on est malade. Mais si on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne peut pas se déplacer pour aller chez le médecin. La première des choses que Ézéchias a faite, c'est de prendre conscience, de dire, écoutez, si aujourd'hui nous sommes dans cet état, c'est qu'il y a un problème. La Bible déclare ceci. Qui de vous qui marche et qui ne veut pas s'arrêter à un moment pour réfléchir, pour prendre conscience de sa vie, de réfléchir un peu et de voir derrière et de se dire, pourquoi les choses ne marchent pas? Vous savez, il y a des personnes qui sont bornées dans la vie, qui sont obstinées. Même si les choses ne marchent pas, ils pensent et ils croient que tout va bien. Même si les choses sont en train d'aller de mal en mal, de pire en pire, mais ils ferment les yeux, ils se persuadent que tout va bien, alors que tout va mal autour d'eux. Et ces personnes ne se remettent jamais en question. Tant qu'on ne se remet pas en question, on ne peut pas aborder la réforme. Amen. Pour aborder la réforme, il faut une remise en question. Amen. Il faut se dire, il y a un problème. Mais si tu dis que tout va bien alors qu'il y a un problème dans ta vie, la réforme ne viendra pas. C'est pour cette raison que nous sommes dans une société malade, dans une société où tout va mal, et que les gens, malgré que tout va mal, se persuadent et se disent que tout va bien alors qu'ils vont mal. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Seuls ceux qui sont conscients de leur situation, ceux qui prennent conscience de leur état, peuvent se permettre de décrocher leur téléphone, de composer un numéro. Monsieur le docteur, puis-je avoir un rendez-vous? Mais si tu n'es pas conscient qu'il y a un problème, mes chers amis, tu ne feras jamais ce pas. C'est ce que j'appelle un état des lieux. Quand Ézéchias est arrivé au trône, il est assis et il a réfléchi, il a regardé autour de lui. Il dit, nos pères ont péché. Nos pères ont profané le temple. Raison pour laquelle la malédiction s'est abattue sur le peuple. Il a pris une conscience. Et aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles nous prêchons aux sourds, excusez-moi de l'expression, nous prêchons aux sourds dans nos églises, c'est que les gens ne se remettent jamais en question. Amen. La parole de Dieu arrive, tu es assis à côté, tu dis dans ton cœur que cette parole est pour mon mari. Je sais que c'est pour lui. Tu dis que cette parole, je sais que c'est pour ma femme. Mais toi, tu ne te remets jamais en question. Tu penses que cette parole qui est prêchée ici, c'est seulement pour celui ou celle qui est à côté de toi. Alors que le premier concerné, c'est toi. Quand je me mets ici et que je vous apporte la parole de Dieu, le premier concerné, c'est moi. Je me remets en question. Cette parole me concerne premièrement. Je dois la mettre en pratique dans ma vie personnelle, dans la vie de ma famille, dans mon foyer, avant que cette parole ne puisse vous atteindre. Amen. Et donc cette prise de conscience, ce constat doit être un prérequis pour parler de la réforme. Amen. Autrement dit, on viendrait ici, on continuera à faire semblant, à prier, à chanter, à repartir, à se dire non, nous sommes bien comme ça. Nous sommes bien comme ça. Et les Français, non, ne touchez pas à notre modèle social. Alors, ils veulent un changement, mais non, ne touchez pas à ci. Non, 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 ne touchez pas à ci. Non, on est pas mal, on est bien. On ne se remet jamais en question. Amen. Vous savez, quand je suis arrivé en terminale, j'ai jamais échoué. J'ai jamais doublé de classe dans ma vie.
Quand je suis allé en terminale, j'ai toujours été brillant. Vous pouvez demander ma famille, les membres de ma famille, j'ai toujours brillé dans mes études. Quand je suis arrivé en terminale, j'ai fait le bac. Deuxième tour. Et j'ai raté le bac. Quand j'ai raté le bac, j'ai raté avec une moyenne de 9,50. Donc il me manquait 0,50. Et c'était juste la matière où j'ai plus travaillé, la mathématique. Je suis allé, j'ai fait encore pour la deuxième fois. Là, j'ai échoué lamentablement. Et puis avant, je mettais ça sur le compte du diable, l'ennemi qui veut me combattre, les démons, le pays qui va mal, la corruption, les gens qui prennent mes notes, qui donnent aux autres, ainsi de suite. C'est un phénomène qu'on retrouve en Afrique. Oui, voilà, ils ont pris mes notes, ils ont donné. Et puis à un moment, je me suis dit, je suis rentré en moi. Et puis, j'ai fait une prise de conscience. Si je n'ai pas réussi, pourquoi je n'ai pas réussi? Et cette question, très peu de personnes parmi nous nous se donnent le courage de se la poser. Si les choses ne marchent pas dans ma vie, pourquoi que les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi que je tourne toujours en rond? Pourquoi je viens à l'église, je prie, je jeûne, mais je ne prospère pas? Pourquoi n'arrivons-nous pas à acheter un bâtiment? Et pourtant on cherche. Il faut chercher à comprendre. Le fait de se remettre en question va déjà t'introduire dans une saison, dans une mentalité de la réforme. Parce que tu vas te dire, si les choses n'ont pas marché, pourquoi que les choses n'ont pas marché? Et la réforme, c'est ce renouvellement de mentalité, de compréhension, de pensée qui va justement te permettre d'aborder les choses autrement. Amen. Il faut se remettre en question. Une prise de conscience. Il y a des gens qui sont malades, qui refusent d'aller voir le médecin. Et puis la maladie s'aggrave. Alors que c'était juste une petite chose, il suffisait que tu ailles voir le médecin, il allait te prescrire quelque chose, et puis ça allait peut-être décompter la situation. Et spirituellement, on a des personnes dans nos églises qui ont des problèmes et qui refusent d'accepter, de croire qu'il y a un problème dans leur vie. Qui sont bornés sur leur décision, sur leur position. Et ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Jusqu'à ce que ce péché devienne chronique. Amen. Jusqu'à ce que ce péché devienne intraitable. Jusqu'à ce que ce péché devienne plus compliqué. Ainsi, on parle d'aggravation de la maladie. Et c'est qu'est-ce qui arrive au trône? La première des choses, il fait un état des lieux, il fait un constat. On ne peut pas parler de la réforme si on est persuadé que tout va bien. On ne peut pas parler de la réforme si on est convaincu qu'on n'a pas de problème. On ne peut pas parler de la réforme si on pense que tout va bien autour de nous. Ça, c'est la première des choses que nous devons avoir comme prérequis de la réforme. Mes chers amis, c'est toute une série. Voyez-vous, ce matin, je me prête à l'enseignement. C'est pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de parler doucement. Voilà. J'ai plus envie de prêcher aux sourds. Je veux être persuadé que ce que je dis, que ça tombe quelque part, que ça rentre quelque part, que ça produit et que ça sorte et que ça fasse de toi un héros, un véritable chrétien. La prise de conscience. Deuxième élément, c'est toute une série d'enseignements que j'ai commencé. Je ne suis pas sûr de terminer déjà ce que j'ai commencé ce matin. Cela va nous prendre 3 mois où on va aller petit à petit. Et je veux vous rassurer, ne manquez pas une seule série. En fait, c'est un maillon. C'est comme un traitement. Et vous,
Alors quand on te dit, tu prends ton traitement matin, midi, soir, alors quand tu rates le traitement de midi ou de soir, au fait c'est, voilà, Pauline qui est dans la pharmacie peut vous dire, n'est-ce pas Pauline? Quand tu rates ton traitement, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben voilà, ça va passer moins rapidement et puis ça va s'aggraver. Doucement. Voilà. La deuxième chose dont nous avons besoin pour parler de la réforme, on va lire Jean chapitre 4. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean chapitre 4, verset 20? Jean chapitre 4, verset 20. Les prédispositions de la réforme. Jean chapitre 4, verset 20. Est-ce que quelqu'un peut donner lecture, s'il vous plaît? Jean chapitre 4, verset 20. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne-là, et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Voilà, je vais juste m'arrêter là. Jésus rencontre la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine? Oui. Jésus rencontre la femme samaritaine auprès d'un puits, parce que Jésus avait soif. Mais derrière cette soif se cachait le plan de Dieu. Amen. Et Jésus arrive auprès de ce puits, il rencontre la femme samaritaine. Il commence à lui parler du royaume. Il parle de Christ à cette femme, jusqu'au point où Jésus dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et la femme dit à Jésus, mais attends, nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous dites que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. La deuxième chose, la deuxième prédisposition dont nous avons besoin d'avoir pour parler de la réforme, c'est la volonté de rompre avec les habitudes. Amen. C'est la volonté de rompre avec les habitudes. Il y a des personnes qui disent, dans notre famille c'est comme ça, dans nos églises c'est comme ça, chez nous ça a été comme ça. Ils pensent que Dieu a été programmé, calibré. Dieu a été comme un ordinateur, un système qui a été programmé pour... Dieu n'a pas été programmé pour fonctionner de la même manière. Dieu est un multisystème. Amen. Dieu a mille et une manières d'agir et de se manifester. Amen. C'est pas parce que Dieu a béni quelqu'un dans une église qu'il te bénira forcément dans une église. Amen. Dieu peut te bénir même sur la route. Amen. Dieu peut te bénir en travaillant. Amen. Dieu peut te bénir dans ta maison. Dieu peut te bénir partout. Dieu n'a pas une manière fixe et stable de faire les choses. Amen. Cette femme était en train de dire à Jésus, quoi? Attends, nos pères ont adoré ici. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et cette manière de penser devient, c'est ce que j'appelle la religiosité. Aujourd'hui, dans nos églises, nous laissons très peu de place à l'Esprit de Dieu. Amen. De faire. Amen. Ce que Dieu est capable de faire. Amen. Pourquoi? Parce que nous concevons Dieu dans notre petite Amen. Tête et nous pensons, nous croyons que ça a été toujours comme ça. Amen. Je viens d'une culture africaine, d'une église apostolique pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous avons nos manières de faire, nos manières de voir. Mais je ne pense pas et je ne crois pas que Dieu soit africain. Je ne pense pas et je ne crois pas que Dieu soit apostolique, oh yes. ni évangélique, ni baptiste, ni catholique. Amen. Dieu n'est ni catholique, ni baptiste, ni évangélique, oh yes. ni réveil, ou quoi que ce soit. Oh yes. Dieu est esprit, Dieu est Dieu. Oh yes. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. L'Esprit de Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Oh yes. On ne peut pas avoir des idées préconçues de la manière où les choses doivent se faire. Amen. Et cette femme dit que nos pères ont l'habitude d'adorer ici. C'est comme ça. Nos pères ont adoré ici. Mais pourquoi tu dis que ça doit se passer différemment? Quand nous avons commencé l'église, on était un petit groupe. On avait l'habitude de chanter, de louer dans une petite maison vers Saint-Denis-en-Val. Évangéliste Olivier a amené sa guitare.
Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus. Et puis, voilà, on se faisait du bien avec sa guitare comme ça. On chantait. On était les deux chantres. On se voyait dans la semaine, on répétait. Petit à petit, et quand on a trouvé la salle derrière, et puis on a commencé à faire les vidéos projecteurs, avant on avait des cahiers des chants, comme ça, on tenait les cahiers. Jésus, Jésus. Oh yes. Et puis après, on a fait les vidéos, des PowerPoint. On a lancé des PowerPoint. On n'avait pas de micro, il n'y avait rien. On a commencé les chants avec les pianos, ainsi de suite. On a commencé. Premier chant, c'était faisons monter, monter. Papa de louange. Faisons monter. Donc, le premier culte, on a fait ce chant. Quand on a terminé, il y a un groupe de personnes qui sont venues me voir. Pasteur, nous, on n'a pas l'habitude de regarder sur vidéoprojecteur. Où sont passés les cahiers? Il faut ramener les cahiers. Mais ce chant-là, on ne connaît pas. Mais pasteur, pourquoi vous changez tout aujourd'hui? Au fait, les gens pensent et croient que Dieu est comme ça et que ça doit être comme ça et que ça ne peut pas changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Dieu est multisystème. Dieu est multisystème. Dieu peut agir au pôle nord, au pôle sud, à l'est, à l'ouest. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas un homme pour faire les choses d'une manière figée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que tu as rencontré un mari à l'église que forcément quelqu'un d'autre rencontre à l'église. Il peut rencontrer dans un supermarché, il peut rencontrer sur la route, il peut rencontrer sur internet, il peut rencontrer dans une salle de sport, il peut rencontrer même dans un cinéma, il peut rencontrer parce que Dieu est un multisystème. Alors les gens étaient gênés du fait qu'on a changé de salle. Les gens ont perdu leur repère. Le fait qu'on a commencé à jouer le piano, les gens trouvent que c'est dérangeant. On était bien comme ça. Non, mais c'est quoi ce truc-là? Il faut avoir la volonté de rompre avec les habitudes. On ne peut pas parler de la réforme sans la volonté de rompre avec les habitudes. Tu avais ta vie de célibat. Tu dormais, tu te réveillais quand tu veux. Tu faisais tout ce que tu veux. Maintenant que tu es marié, il faut rompre avec les mauvaises habitudes. Maintenant tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un dans ta vie. Il y a quelqu'un avec toi. Tu dois t'adapter. Tu dois rentrer dans cette volonté de rompre avec les habitudes. Maintenant il faut intégrer la personne qui est dans ta vie, dans ta manière de fonctionner. La volonté de rompre avec les habitudes. Cette femme a dit, nos pères ont l'habitude de faire ça. Chez nous, c'est comme ça. Ça a été toujours comme ça. Au pays, moi là, je priais beaucoup. Pasteur, chez nous, au pays, là, c'est comme ça. Attends, qui t'a dit que Dieu est seulement au pays? Ailleurs, là, les gens ne prient pas. Ailleurs, les gens n'adorent pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu penses que ton Dieu, là, il est seulement dans ton pays? Ailleurs, là, Dieu n'existe pas. Non, comprenez avec moi. Il faut avoir la volonté de rompre avec les habitudes. C'est ce que j'appelle le renouvellement. Alors ce matin, je vais me prêter à l'enseignement. Je vais aller doucement. Même si j'aborde juste deux points, je vais m'arrêter. Dimanche prochain, je vais continuer. Je vais aller lentement, lentement. Je veux être sûr et certain que ce que je dis rentre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà le problème de plusieurs personnes. Les gens sont habitués à leurs vieilles habitudes. Amen. On dit, ben voilà, on va couper leurs 5 euros sur leur CAF. Et puis pour aider, non, ça a été toujours comme ça. Ils vont couper 5 euros sur les allocations. Mais c'est quoi ce truc-là? Et puis ils sortent dans la rue, ils mettent les gilets, et puis ils commencent à manifester depuis 10e manifestation, 11e manifestation, et je suis sûr que ça va continuer. Ils sont habitués comme ça, ils ne veulent pas de changement. Ils ont été formatés à rester dans leur... Oui, c'est comme ça. Il faut avoir la volonté de rompre avec les habitudes. Amen. Parce que Dieu est multisystème. Amen.
C'est pour cette raison que les grands réformateurs ne sont pas des personnes populaires. Parce que les gens vont vous détester. Les gens vont dire, attends, nos pères ont adoré sur cette montagne. Toi, tu dis qu'il faut... Non, attends, toi, tu viens d'où? Tu te prends même pour qui? Amen. La volonté de rompre avec les habitudes. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes à rentrer dans la réforme. Tu as toujours fait comme ça. Tu as toujours vu les choses comme ça. Pour toi, c'est arrêté dans ta tête. Tu es tellement bloqué que pour toi, c'est comme ça. Tu ne peux jamais accepter que ça soit comme ça. Si quelqu'un vient te dire que c'est comme ça, tu en fais tout un problème et tout un procès. Mais pourquoi lui, il vient me dire que c'est comme ça? Non! Il faut parfois être souple dans la vie. Pourquoi on doit être souple? Parce qu'on ne connaît pas tout. Parce que tu ne détiens pas tout. La volonté de rompre avec les habitudes. Troisième point. Je parle ici des prérequis de la réforme. Sans ces points, on ne parlerait pas de réforme. Troisième point, c'est l'humilité et l'obéissance. Vous savez, si on n'est pas humble, on ne peut pas accepter la réforme. Parce que je vous ai dit ici que Dieu a plusieurs manières de faire les choses. La Bible déclare que dans Job, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui veut dire que Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler, n'importe quelle circonstance pour nous parler. Mais si on n'a pas l'humilité, on ne peut pas accepter la réforme. La réforme demande de l'humilité. De dire que peut-être ma méthode n'a pas fonctionné et que Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour apporter une solution à ce problème. Amen, amen. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Et voilà ce qui manque à beaucoup de personnes. Voilà même le problème de nos pays africains. L'humilité de dire que, voilà, celui-là, on pense qu'il a la grâce de Dieu et que lui, il peut apporter... Amen. La réponse à tel problème et qu'il faut le soutenir, il faut s'allier derrière lui. Tout le monde veut nous dominer, tout le monde veut devenir chef, tout le monde veut commander. Pour parler de la réforme, mes chers amis, il faut de l'humilité. Il faut avoir un esprit d'obéissance. Luc chapitre 1, verset 52, si quelqu'un peut donner lecture. Amen, oui. Il a renversé les puissants de leur trône et il élève les humbles. La réforme demande de l'humilité. De voir la grâce de Dieu dans la vie d'une personne et de dire, mon frère, tu peux m'apporter quelque chose. Je regardais sur Internet, pour ceux qui connaissent les prédicateurs américains, T.D. Jakes et Creflo Dollar. T.D. Jakes, il a une grande église aux États-Unis, Potter House, très grande église, c'est un pasteur à la Maison Blanche, très connu. Il a été même décerné meilleur prédicateur, je ne sais pas quelle, une époque. C'est un homme de Dieu très puissant, T.D. Jakes. Creflo Dollar, c'est aussi un homme de Dieu puissant, que Dieu a élevé financièrement très fort aux États-Unis. Je regardais pendant un culte,
où Creflo Dollar était en train de prêcher, l'onction était tombée dans la salle. La salle était remplie de la présence de Dieu. Et puis, tu vois, Titi Tex qui s'approche devant Creflo Dollar, meilleur prédicateur, pasteur à la Maison Blanche. C'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, rentrer à la maison, taper Titi Tex. Titi Tex qui s'approche de Creflo Dollar pour recevoir l'imposition de main. Et Creflo Dollar lui impose la main, boum, Titi Tex tombe. Les protocoles le ramassent, je lui dis, hey, les anglophones. Je dis, il n'y a que les anglophones qui peuvent avoir cette mentalité de compréhension. Un pasteur francophone, il a une petite église de 50 personnes, il va se croire meilleur pasteur, meilleur prédicateur au-dessus de tout le monde. Il ne va jamais se faire humble pour voir la grâce de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu et de dire, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? On se croit tout. Vous savez, l'onction, Dieu peut utiliser même un bébé pour te communiquer l'onction. Mais si tu n'as pas l'humilité, tu ne peux jamais accepter de te rabaisser. Quand j'ai fait ma première mission en 2003-2004, je suis allé au Congo, je suis allé à Brazzaville et à Kinshasa. Moi, je pensais, je me croyais tout puissant. Je croyais que j'étais un grand pasteur, que j'étais. Et j'arrive là. Je me rappelle, j'avais une petite veste rouge comme le sang à l'époque. Et j'arrive là, je rentre dans une salle, une réunion. Moi, je frimais, je pensais que j'étais sapé. Parce que tout le monde, j'étais là. Le pasteur, le jeune pasteur qui vient de l'Afrique, de Centrafrique. J'avais une grosse Bible, plus qu'un dictionnaire. Et je marchais avec tellement de fierté. Je pensais que j'étais au sommet, quoi. Et là, je regarde. Je vois un homme de Dieu qui débarque façon le gars s'est habillé. J'ai vu son costard, sa chemise. J'ai enlevé le mien. Et puis le gars a pris le micro. Il a prêché. Et je ressens dans mon cœur. Va là-bas, il va t'imposer. Je me dis, oh, moi, aller m'agenouiller pour que lui me touche. L'esprit me dit, cet homme a eu grâce de Dieu. Et je suis allé humblement m'agenouiller. Il a prié pour moi. C'est cette mentalité qui manque aujourd'hui à la francophonie. Moi, j'ai parcouru beaucoup de pays, surtout l'Afrique centrale, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Au Ghana, c'est pas pareil, les anglophones. Mais la réforme demande l'humilité. L'humilité de dire que Dieu peut passer par toi pour apporter une solution. Peu importe, mais si Dieu passe par toi, gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas que je pense que je suis le centre du monde et que tout doit passer par moi. Non. Il y a des gens qui ont du mal à accepter que ça peut venir d'ailleurs. Que tout doit passer par moi. Et ça devient problème. Tant qu'on n'a pas l'humilité, on ne peut pas parler de la réforme. Parce que l'humilité va nous amener à nous rabaisser. Et celui qui rabaisse, c'est celui qui reçoit. Amen. Depuis quand vous avez vu une main qui reçoit est au-dessus. La main qui reçoit est toujours en dessous. Amen. Donc la main qui est en dessous, c'est celle qui reçoit. Donc cette humilité de cœur va t'amener à recevoir. Amen. Beaucoup de personnes passent à côté de beaucoup de choses tout simplement par orgueil. Amen. Parce qu'ils se croient tout puissants. Ils pensent qu'ils sont au sommet, alors qu'au-dessus de nous, il y a encore des gens que Dieu a utilisés. C'est pour ça que quand moi, mon principe, j'arrive quelque part et que je sens qu'il y a un shift ici, il y a quelque chose que je dois prendre, attends, quelle est la considération? Je me fais humble. Je prends. Je me fais humble et je prends.
Parce que les choses de Dieu, il faut avoir l'humilité pour les recevoir. Amen. C'est pour cette raison, il y a tant de problèmes dans nos églises. Parce que les gens n'ont pas le cœur humble. Même dans un couple, tu penses que c'est toi qui as toujours raison. Tu ne penses pas que l'autre peut avoir raison. Tu es figé, borné sur ta position. C'est comme ça, parce que je suis le chef. Tu ne peux pas discuter, c'est comme ça. Point barre, je ne discute pas, c'est comme ça. Attends, tu ne laisses même pas une petite marge de discussion. Et ça pose problème. La réforme requiert l'humilité. Amen. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire quoi? Résister, ça veut dire quoi? Olivier, viens. Voilà. Donc, je vais essayer de passer et tu vas... Hein, tu vas me pousser. Passer. L'orgueilleux veut passer et Dieu... Et l'orgueilleux veut passer. Et la Bible dit, Dieu résiste. Alors, depuis quand tu as déjà vu Dieu... Attends, toi, tu crois que... Tu peux résister à Dieu? Attends. Tu penses que tu sais combien de kilos Dieu pèse? Est-ce que tu connais la taille de Dieu? Est-ce que tu connais le poids de Dieu? Mais la Bible dit Dieu résiste. Ça veut dire quoi? Quand tu veux passer, il n'y a pas de place, il n'y a pas de passage pour les orgueilleux. Quand tu veux passer, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc la réforme dont il est question ici, on parle de la réforme. C'est un changement qu'on doit apporter dans nos vies, dans nos églises, pour nous permettre d'avoir un meilleur résultat. Donc il faudrait avoir l'humilité. Si on se croit tout permis, tout puissant, on se croit au-dessus de tout, qu'on connaît tout, eh bien la réforme ne viendra pas. Parce qu'on est bloqué dans notre esprit. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen plus clair. J'ai trouvé des boxers là. J'ai acheté. Moi je pensais que c'était un maillot de bain. J'ai jamais été dans une piscine chez moi en Afrique. Parce que chez nous là, on les appelle les talimbi là. Quand tu vas nager dans les rivières, parfois les esprits des eaux prennent les gens là-bas. Donc nous on a peur des eaux. Donc je sais qu'il n'y a pas des esprits des eaux dans la piscine. Je peux nager avec sécurité. Donc, je mets mon boxer là. Et puis le gars me dit, mais enfin, ça c'est pas un maillot de bain. Je dis, ah, ça c'est un maillot de bain, tu sais combien je voulais acheter? Il dit, monsieur, c'est pas un maillot de bain. Je dis, ah, dis-moi la différence entre ce que je porte et ce qu'il porte là. J'ai persuadé le gars que c'était un maillot de bain. Alors que moi-même, je savais même pas ce qu'on appelle un maillot de bain. De dire c'est quoi, montre-moi la différence entre maillot de bain. Je suis même parmi nous là, il y a des gens qui savent pas la différence entre maillot de bain et boxer. Quand j'ai juste acheté un truc là, comme ça, un petit truc qu'il porte, je me suis dit non, j'ai porté. Et je vois les gens faire ça. Je me suis jeté dans le grand bassin. Et j'ai voulu faire. On débarquait dans l'eau avec leur pêche. Avant de me faire sortir, j'ai avalé au moins un litre. Monsieur, vous savez nager? Non. Vous venez faire quoi ici? Mais je viens nager. J'ai dit, mais attends. Mais c'était tellement facile. Monsieur, vous savez que c'est dangereux? Je dis, mais attends. Moi, je vois les gens nager, c'est pour ça que je viens. À partir d'aujourd'hui, ne venez plus dans le grand bassin. Il faut aller dans le petit bassin. Et je vais dans le petit bassin. Je vois les gamins de 3 ans. De 5 ans. Qui m'appellent papy, papy. Il y avait un choix à faire. Soit je continue, ou soit je retourne chez moi. Donc il faut se faire humble pour aller avec les gamins de 5 ans. Torse nu, boxeur, avec pasteur. Et
je débarque dans le petit bassin et les gamins de 5 ans comme Christ et fille, monsieur, on fait ça, on souffle, on pousse, et puis les enfants commencent à m'apprendre. On fait ça, on ramène la tête, vous soufflez, vous poussez plus fort, vous avancez. Et puis j'ai commencé comme ça. Et puis on souffle, la tête sous l'eau, et puis j'ai commencé avec les enfants. Un jour, deux jours, trois jours, au bout de un mois. Monsieur, maintenant, c'est nager. Et là, je débarque dans le grand bassin avec beaucoup de fierté. Et je débarque. Et là, je plonge. Et je vois des gens qui attendaient que je crie au secours. Ils ont attendu 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Non, il sait nager, le monsieur. Mais si je n'avais pas l'humilité, je ne pouvais pas me mettre avec les bébés. Je me dis, un pasteur, un grand monsieur avec des barbes, va faire quoi dans un bassin avec les enfants de 3 ans, de 5 ans? C'est pour cette raison que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ce sont les enfants qui m'ont permis de nager. Il y a des choses même dans le ministère qu'on ne connaît pas tout. Dieu peut passer par quelqu'un pour nous visiter. Et je le disais pour tout dire, quand je suis arrivé au Congo, au fait, quand je suis rentré en Centrafrique en 2003-2004, c'est là où mon ministère a changé. C'est là où le shift s'est vraiment fait. Parce que j'ai eu des connexions des hommes de Dieu qui étaient remplis, qui étaient puissants. Malgré qu'il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Mais ces hommes de Dieu m'ont impacté. Quand je dis impacté, vous savez que l'onction se communique. Amen. Ces hommes de Dieu, quand je dis impacté, ils m'ont réellement impacté. Moi qui priais 30 minutes, je pensais que je savais prier plus que tout le monde. Je voyais des gens prier toute une nuit jusqu'au matin. Il y a quelque chose qui s'est fait en esprit. Je me dis, je dois prier comme eux. Et j'ai commencé à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Parce que j'ai vu quelque chose dans leur vie. Et j'ai eu l'humilité de dire, Seigneur, ce qui est sur eux. Comme Élisée pouvait dire, je veux ce qui, la double portion de ce qui est sur toi. Donc lorsqu'on n'a pas l'humilité, on ne peut pas parler de la réforme. Et c'est un blocage pour beaucoup de personnes. Le manque d'humilité, ça empêche la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond, tout simplement parce qu'ils ne sont pas humbles de cœur. Vous pouvez les voir, et je vous dis, l'humilité n'est pas dans une apparence. Vous pouvez voir même quelqu'un physiquement humble, mais ça, dans sa tête, c'est une montagne d'orgueil. Il peut faire semblant, et vous savez, mais enfin, l'humilité n'est pas dans la posture, mais l'humilité est dans l'esprit. L'humilité est une mentalité, l'humilité est un langage, l'humilité est une attitude. Oui, plusieurs fois dans ma vie, je pensais que j'étais humble. Les gens disent, ah, ce pasteur, il est humble. Jusqu'à un jour, je priais, le Seigneur me dit, attends, tu n'es pas humble, hein? Je dis, attends, c'est vrai? Ben oui. Parce que je dis, je vois ton cœur. Je ne vois même pas ce que les gens voient. Les gens, ils voient ça. Moi, je vois, en fait, je te scanne. Je vois ce que les gens ne voient pas. Et là, j'ai compris que non, lui, là, on ne peut pas jouer avec lui. Le Père, là, non, quand tu n'es pas clean, il ne faut pas jouer avec lui. Amen. Je veux dire, tu peux jouer avec tout le monde, avec tes amis, tes parents. Ne joue pas avec lui. Parce qu'il te scanne. Attends, aujourd'hui tu vas dans un appareil, on te dit problème ici, tac, tac, et puis il filme ton corps et puis il localise rapidement. Attends. Et ça, c'est encore rien devant le scanner de Dieu. Le scanner de Dieu dit, avant. Même lorsque tu n'existais pas encore, je t'ai déjà connu. C'est le scanner de Dieu. Scanne dans le passé, dans le présent et dans le futur. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Afin, lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je t'ai déjà connu. C'est pour cela que je dis, Seigneur, je peux mentir à tout le monde. Mais toi là, je ne peux jamais oser te mentir. Parce que tu le connais. Amen. On ne peut pas parler de la réforme sans l'humilité et l'obéissance. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'ai au moins 11
prérequis. On va aller doucement, doucement, doucement. Ne ratez pas ces enseignements. La suite, je vais donner le dimanche prochain. On va aller doucement, doucement. J'ai tout un panel comme ça. C'est lourd. Mais je vais aller doucement. Nous sommes dans une saison. C'est les prédispositions de la réforme. Parce que c'est beau de venir ici faire du spectacle. Oui, réforme, réforme. Mais voilà ces éléments dont chacun de nous doit avoir pour parler de la réforme. Sans ces éléments, pas de réforme ici. Pas de réforme. Il nous faut absolument avoir ces éléments. Et donc c'est toute une chaîne, toute une série d'enseignements que nous devons avoir. Nous avons vu trois choses ce matin. Pour parler de la réforme, il faut une prise de conscience. Il faut avoir la volonté de rompre avec les habitudes. Il faut avoir l'humilité. Et je continuerai le dimanche prochain. Et je continuerai encore. Et je continuerai. Je vous invite à ne pas rater ces moments. Parce que Dieu va faire quelque chose de puissant ici. Amen. 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 Ne ratez pas. Ne ratez pas une seule fois ces enseignements. Amen. Faites un effort d'être là. D'écouter tous ces messages. Cela va vous faire du bien. Et nous enregistrons l'humilité de cœur. Seigneur, accorde-moi ce matin la grâce, Seigneur, de prendre conscience de ma situation, de prendre conscience de mon état. Oh Père, je veux constater, Seigneur, je veux briser l'orgueil, je veux rompre l'orgueil, élevant, élevant nos cœurs, priant, priant, priant pour la parole. Alléluia. Oh la chérie de Karaba Parasoto. Mende de Karaba Shabra Kasoto Kore Mende Gibre. Rachabra Kasote Keriba Kasoto Kore Moshe Mende. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rêve Wenda Kabra Washe de Gemada Diaba Kasoto Koto. Rico Kosoto Koro Wende de Pia Santa Kata. Rechebre Kasuto Koro Wenda Raba Kata Yakata Kedele Mende. Rachabra Katoye Kedele Mende de Boso. Prie, prie, prie. Dis Seigneur ce matin, je veux rompre avec les habitudes, je veux rompre avec, Seigneur, les mentalités préconçues. Seigneur, ce matin, tu veux me visiter, tu veux me visiter. Ce matin, le Seigneur veut te visiter, le Seigneur veut te visiter. Alléluia. Rouchebre kasunta la bakata ya ketelevo. Yendele la wakara bacheke kareya la sata kata. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, la volonté de rompre avec les habitudes, la volonté de rompre avec les habitudes. Oh Seigneur, je veux rompre avec ma manière humaine de voir, de penser les choses. Seigneur, tu veux faire les choses autrement ce matin dans ma vie. Accorde-moi l'humilité, accorde-moi une prise de conscience. Aide-moi, Seigneur, à prendre conscience de ma situation, de mon état. Accorde-moi la volonté, Seigneur, de rompre, de me détacher de certaines choses. Élève ta voix, prie, 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 prie. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Prions ensemble. Dis Seigneur ce matin, je veux rompre, rompre avec les habitudes. Seigneur, parce que tu veux me parler, tu veux me visiter, tu veux me transformer, tu veux me changer. Père, je te rends grâce ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Oh, les chats, la carana, c'est tout côté. Rishoto korobo wenda sata sata. Reshebre kaso takete. Rele wendo soto koto. Reshada la mata sete wekete. Rishoto wenda sata sata. Rele wende kese. Pri, pri, pri. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, accorde-moi une humilité de cœur. Seigneur, je veux être attentif. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me visites. Je veux que tu me transformes. Je veux que tu me changes. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Élève ta voix, dis Seigneur, donne-moi l'humilité du cœur. Seigneur, mon cœur qui est dur, je veux ce matin que tu m'accordes un cœur humble, que tu me donnes un cœur humble. Aide-moi, Seigneur, à avoir un esprit, Seigneur, humble. Aide-moi à prendre conscience de ma situation. Mon frère, ma soeur, prends conscience de ton état, prends conscience de ton état, prends conscience de ton état. Dieu ne fera rien dans ta vie si tu n'es pas conscient. Je ne te forcera pas, je ne forcera pas ta volonté. Je
ta robe. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Ce matin, j'ai reconnu ta voix. Et je sais que tu m'as parlé. Père, ce matin, accorde-moi la grâce de prendre conscience de mon état. Aide-moi de rompre avec les habitudes. Accorde-moi un esprit d'humilité, de sincérité et d'obéissance. Père, je veux rentrer Saison de la réforme. Je ne passerai pas à côté. Seigneur, me voici. Touche-moi. Parle-moi. Visite-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare sur vos vies ce matin un esprit de prise de conscience. Je déclare sur vos vies ce matin un esprit d'humilité, de sincérité et d'obéissance. Je déclare ce matin sur vos vies cet esprit, cette volonté de rompre avec les habitudes. Un homme était noyé un jour. Pasteur Frédéric l'a toujours donné cette image et ça me vient à l'esprit pendant que je parle. Pendant qu'il était en train de noyer, et il voyait, il priait, il dit, Seigneur, sauve-moi, 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 sauve-moi. Et Dieu lui a envoyé un hélicoptère. Et cet homme était là encore, il priait, il continuait à dire, Seigneur, sauve-moi. Il ne voulait pas donner la main à cet hélicoptère, il attendait un bateau, il attendait une barque. Alors que Dieu voulait le sauver à l'aide d'un hélicoptère. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées préconçues. Ils sont bloqués dans leur esprit. Parce qu'ils pensent que Dieu est obligé de passer forcément par telle voie ou par telle voie pour les visiter. Alors que Dieu voudrait peut-être passer autrement pour les visiter. Et ce matin, le Seigneur veut que tu aies ce cœur humble. Le Seigneur veut que tu sois sensible. Le Seigneur veut que tu prennes conscience de ton état, de ta situation, et que tu sois tout simplement à l'écoute de ce qu'il veut te dire et ce qu'il va faire dans ta vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamons la parole de Dieu.